Le poète a dit « il n'y a rien d'extraordinaire ». Ou plutôt si, « il n'y a que des choses extraordinaires ». Mais l'homme s'habitue à ces choses. J'ai des connaissances en armurerie, en informatique, en génétique, en maçonnerie, en orfèvrerie, en plomberie. J'ai appris à lancer les dés, le javelot, les filets de pêche. Je peux même vous dire qui a tué Mademoiselle Rose avec un chandelier dans la bibliothèque. Mais entendre une histoire comme celle-là, ça. Non, je ne m'y attendais vraiment pas. Balade pour Edward Johnson, récit écrit et raconté par Christophe Briand.